programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 3 février 2021, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix Roba KPU, deuxième course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h55. Ce handicap divisé de première épreuve où les chevaux seront en 40 de valeur et moins s'annonce compliqué à déchiffrer. Notons que le parcours des 2400 mètres de la piste en sable fibré sera utilisé pour l'occasion. Avant coup, tentons un pari amusant en faisant une grande confiance aux chevaux du haut du tableau. Voici à présent le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Savoir Aimer. Il a été très malchanceux dernièrement alors qu'il était bourré de gaz au moment du démarrage final. Si Théo Bachelot, son pilote, le sort au moment opportun, méfiance. En deuxième choix, le numéro 2, Checkpoint Charlie. Attention à ce pensionnaire de Ludovic Rovis qui sera monté par un Stéphane Pasquier qui le connaît sur le bout des doigts. Une fois encore, le tandem peut faire mouche. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Allez Henri. Il est dans une forme olympique et vise logiquement la victoire finale dans ce Quintet Plus. À Hugo Journiac, son jockey, de profiter au mieux du numéro 5 dans les stalles de départ. En quatrième position viendra le numéro 4, Bellariva. Beaucoup de capacité pour cette femelle de 5 ans qui sera confiée pour la circonstance à un certain Pierre-Charles Boudot. Il faut donc logiquement y voir un signe fort. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Monsieur Xo. Il cherche sa course avec énormément d'applications. Dans ce lot, s'il dispose du parcours sur mesure, il mériterait franchement de s'imposer. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Carter Ngo. Âgé désormais de 5 ans, ce mâle gros a pour lui de toujours participer à l'arrivée. À Franck Blondel, son jockey, de ne pas casser cette belle série. En avant-dernier choix, le numéro 7, Virka, elle dépend du redoutable entraînement de Christophe Ferland, ce qui est souvent un gage de qualité au niveau handicap. À Julien Auger, son pilote, de jouer à ses commandes. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Saint-Nicolas. La piste du jour lui convient parfaitement. Ses dernières tentatives étant plutôt bonnes, il peut logiquement prétendre à une place dans les 5 premiers ici. En cas de non partant, le numéro 9, By The Way, qui reste sur une victoire de Quintet Plus face aux seuls 4 ans, terminerait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquaient le tiercé, quart et Quintet Plus dans le désordre, le dernier affichant tout de même un rapport de 192€. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.